D'équipe, on va dire ça comme ça. Je suis un serpille, moi je ramasse tous les raisins qui restent. D'accord. Elle va avoir du boulot. Est-ce qu'il y en a déjà parmi vous qui ont déjà mal nagé? Oui. Oui, ah oh, mais il y a très longtemps. Il y a très longtemps. Oui. Vous aurez l'occasion de voir passer à côté de vos camping-cars la machine à vendanger et surtout de l'entendre. Et on devrait vendanger de manière mécanique à partir de cet après-midi. On a arrêté le chantier de vendage exprès pour vous, pour faire votre activité. Non, parce que c'est pas le même type de matériel à piocher qu'on vient de vous. Donc, on va vous donner à chacun un panier. Un petit ciseau à vendage, ils sont tout neufs, donc ils vont couper très très bien les raisins, éventuellement les noix. Donc attention, attention, on n'a pas de service infirmier à proximité. Je suis là. Voilà, donc attention. Vous allez avoir deux de mes gars avec vous qui vont servir de porte-hôte. Et six coupeurs. Oh là, ouais. Non, mais là, c'est bon. Voilà, mais des vrais. Des intensifs. Vous n'êtes pas au pièce. Voilà. Donc, on va. La parcelle de vigne que je vous ai réservée est à peu près à 250 mètres d'ici. Donc, on va récupérer. On m'avait dit 50 mètres. Oui, mais c'est parce qu'on prend les virages au large. On est dans les vendages rouges actuellement. Les vendages blancs sont terminés. On va vendager un cépage qui s'appelle du Merlot. Vous allez être sur une très très vieille parcelle qui date des années 60. Voilà, c'est pour ça que c'est. Si on gaspille, si on fait pas. Alors, une parcelle de vigne est utilisé, je vais employer ce terme-là, est utilisé pendant une quarantaine d'années. Un pied de vigne peut durer très longtemps. Vous avez des pieds de vigne qui ont 80, 90, 100 ans. Mais quand vous avez une parcelle de vigne, on a de la mortalité. Il arrive un moment où il manque tellement de pieds qu'au niveau culturel, c'est plus intéressant de la cultiver, le travail par rapport aux pieds restants et à la récolte qu'on peut faire. Voilà, donc en moyenne, quand elles ont 40 ans, Saint-Marcel d'Ardèche. Et bien voilà, on était là à Chambaudot. On était là et on a fait bien sûr les portes. On a un peu raté le port. 24 km, donc. Soit en culture, on va dire, traditionnelle,
où on utilise des produits qui ont été fabriqués par des firmes diverses et variées. Deuxième option, on utilise ce qu'ils appellent des produits bio, dont l'appellation vin issu de raisins de l'agriculture biologique. Les produits bio s'interdisent, ou les viticulteurs bio s'interdisent l'emploi de ces molécules qui ont été trouvées et élaborées. Parce que l'on trouve à l'état naturel dans le sol. Ah oui, c'est un sacré métier. Alors, fin. À mettre les piquets, les fils de fer, tout ce genre d'armature. Non, c'est juste pour se chauffer. C'est pour faire que la tour. Voilà, c'était comme ça, vous voyez une jeune vie, une vie à devenir. Une question, la taille, vous la faites à la main ou... La taille est manuelle. Manuel avec un sécateur adapté, sécateur électrique, voilà. Non, ça c'est une opération qui est encore manuelle, on ne peut pas tellement modifier le regard et la réflexion d'un homme. On peut juste l'aider dans la pénibilité avec ce sécateur. Je croyais qu'il rentrait, alors ça fait qu'il était allé au camping-car. Il repère, hein. La gym, là, c'est dans l'Ardèche, là, juste à côté. Bon, chaque grappe, normalement, a une queue qui la relie au tuteur, au rameau. Mais c'est ça qu'il faut couper, voilà. Donc voilà, on passe au ras du rameau. Voilà, peu importe. Après la distance, peu importe, vous ne tracassez pas. Et puis voilà, ça va aller comme ça. Hein? Donc on cherche, des fois c'est un peu compliqué à trouver l'endroit où elle est rattachée. Voilà, voilà, vous coupez comme ça et on la met dessous. Alors des fois mais vous faut pas en laisser, on doit être... Ah non, vous allez tout récolter, oui, mais des fois vous allez vous tromper, vous allez pas trouver, vous allez couper un truc comme ça. Vous dites, mince, ça c'est pas ça, c'est pas bon. Hein, voilà. Deux personnes là, deux autres là. Mais ça vient pas de l'extension, ça vient de l'arrêt de pointe. Non, le sécateur, non, voilà, tu récupères le sécateur, ça passera pas dans la machine. C'est bon. Est-ce que tout le monde est là? De rang. Qui vont augmenter en longueur. C'était pour pas nous décourager les PSC. C'était une entrée, un prélude si vous voulez. Voilà. Bon, regarde-moi un peu quand même, tourne la tête quand même. Ben, j'ai déjà fait la pause là tout à l'heure hein, avec ma grappe à la main. Hop. Ouais, mais avec la machine. Avec la machine. Et Bayonne, jette un petit coup d'œil quand même là. Non, on arrête. Les tablettes de chocolat, il y en a.
le dos. Ah, les courbatures, ah oui, il y a pas ça. J'ai mal dans les chevilles depuis 3 semaines. J'ai beau faire n'importe quoi, alors bon, bah, je... Ah ouais, ça malheureusement. On va pouvoir passer à la suite. Mais tiens, tu attends, il m'en prendra. En vélo, en tout ce qu'on veut, sur la neige, sur la plage. Eh, hey, elle est pour belle, Dali. À l'époque, il plâtrait. Jusqu'à combien vous portez dans vos paniers là? 10, 15 kilos ou plus? Non, mais alors, faut pas, il y a l'empire. Voilà. Il y a encore le truc, oui, non, mais... ça ne se rappelle plus. Merci. Ah, ben, ça fait à la tienne. C'est rigolo, ça. Travailler comme ça. Oui, hein. Et combien de caisses de pinards est-on filé? Il y a midi et quart, on a tout fini. Oui. Il répond pas, vous avez remarqué, hein? Non, non, il répond pas. Mais il est concentré, il est très concentré. Non, c'est mais bon. Ah, il y a Yves qui m'a fini, là. Mon gilet. Et il y a la boîte aussi, monsieur. Oui. Qui s'est gagné les ciseaux encore? Là. Allez, il y a un autre. 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 Il y a un autre.
Voilà, je pense vers 15h30, j'en ai amené maman à l'hôpital. Et donc, moi j'avais ça, j'arrive jusqu'à une bouteille de vin. Dans 18 ou 24 mois. Voilà. On reviendra. Entre temps, on travaille un peu. Hein? Mais je vous expliquerai tout ça. Éventuellement, on goûtera quelques jus de raisin aussi. Ah oui. Du bourru. Du bourru. Du bourru, surtout. Il y a des périodes qui sont un peu plus creuses, là, l'hiver, où je ne sais pas quoi, vous êtes un peu plus loin. Mais vu qu'on commercialise nos produits, qu'on fait de l'onotourisme, que... Il y a des envahisseurs quand même cartes. Ça, je n'ai rien dit. Mais... Non, je veux dire, ce qui fait qu'on est mobilisé maintenant quasiment en permanence. Ah, oui. Permanence, oui. Voilà. J'ai réussi à prendre une semaine de l'ordre. Attendez, il faut que je me dépêche à prendre une vacance. C'est vrai, parce qu'il va attaquer ton bonheur. C'est gâché. Parce que... Mais vous n'avez pas fait le champ de vendange là-bas? Non. Je ne sais pas, je sais la race de la vigne, si vous voulez. Pour ces caractéristiques d'arôme de fruité. C'est quelque chose de souvenir qui est très expressif au nez. Associé au sémillon, blanc moelleux, un seul cépage sémillon, un très léger passage en barrique de chêne dans ce vin-là. Donc, il peut y avoir une petite note qui... Ça peut venir de ce léger passage en barrique. Voilà. Feuille d'antique. Vous n'avez pas droit. Feuille d'antique. Ah, ouais. Ça va, parce que c'est pas. Je vais faire. Tu veux pas une bouteille à côté? Ah, ouais, 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 ce serait. Le squelette des graines. J'avais pensé vous le faire faire à la main, mais bon. Donc, on a. Appelé la salle de réception vendange. En effet, c'est bien trouvé ça. Voilà. Mais les vendages chez nous, comme je disais à une dame, c'est 100 heures de travail réparties sur 3 semaines. Mais la récolte en elle-même, c'est 100 heures de travail à la machine. Parce que je suis formateur dans l'âme, donc je prends souvent des stagiaires. La qualité de vin, c'est une longue chaîne qui fait 7-8 mètres. De trier, de confiner le tri, en arrivant au chai, c'est un ou deux maillons de la canne. Après, on le fait ou on ne le fait pas, c'est le choix. Moi, j'ai décidé de le faire. Voilà. Donc là, on met entre parenthèses la réception au manage. Mais ça se passe à peu près pareil. Récolte mécanique, arrivée des raisins sur les bennes, tri de la vendange, tri un petit peu moins poussé. Vous allez comprendre pourquoi. Les raisins blancs, que ça soit du Sauvignon, que c'est pas le plus précoce, du Sémillon, qui arrive 4-7 jours après, on va les envoyer dans ces deux cuves, vous voyez là, après en action. Les levures transforment le sucre en alcool. Pétillement, donc gaz carbonique, chaleur, on maîtrise l'évolution de la température de cuve. Quand vous sentez la feuille de pluie un petit peu, quand vous sentez limite le pipi de chat, si vous voulez. Ça, ce sont des signes caractéristiques. Ce sont des signes caractéristiques de plus et pas Sauvignon. Allez, là, c'est bon. Ah ouais. Alors,
Les fuchettes, panard. Hein, c'est un choix, parce que alors on choisit la cuve ou l'assemblage de deux cuves. Ces tonneaux sont faits à chaîne, hein, ça des barriques, 8 tonneaux. Une fois 225 litres. Les barriques, si un jour vous allez à Bourgogne, vous allez y aller, visiter des caves, une barrique bourguignonne fait 228 litres. Alors, vous pouvez rencontrer dans des chais des fois des barriques faites à châtaignier, voire en acacia. En acacia aussi, ça existe. On va demander à la prochaine de donner ses tanins. Dans le bois de chêne, il y a des tanins. On va demander à ce que les tanins du chêne viennent se marier, viennent renforcer les tanins humains. Thank you.